Il y a urgence. Le centre d'accueil de jour de la place Marceau, comme celui de la rue Consolat, risque de mettre la clé sous la porte. Les financements publics baissent d'année en année, jusqu'à arriver aujourd'hui à un point critique. L'association qui gère ces centres sera bientôt en cessation de paiement. Ce qui se passerait, si on doit fermer, c'est que déjà, entre nos deux centres, on reçoit 400 personnes par jour, qui donc n'auront plus d'endroit où venir, où se mettre à l'abri, où prendre la douche, où rencontrer une infirmière ou une assistante sociale, et ils seront dans les rues de Marseille. L'année dernière, de gros efforts de réduction du personnel et des dépenses ont été faits. Le déficit a été réduit de 80%, mais les nouvelles baisses de subventions annoncées remettent tout en cause. Les sans-abri ont peur de perdre ce refuge de jour. Je viens d'être informé qu'il va fermer l'accueil ici. C'est un endroit de repos et de discussion. Vous voyez, il donne beaucoup de choses formidables. Alors, c'est vraiment malheureux s'il ferme. Si les centres d'accueil de jour ferment, ce sont aussi 39 personnes employées qui seront mises à la rue.